Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, nous allons aborder la création d'une cellule référence. C'est-à-dire que dans un calcul, par principe, Excel crée des cellules de référence relatives. Et nous allons voir comment créer une cellule de référence absolue pour que cette cellule sélectionnée soit recopiée dans une formule de calcul. Alors, j'ai créé un petit tableau dans lequel on a le chiffre d'affaires d'un produit A pour janvier, février, mars. Même chose pour les produits B, C et D. Dans la dernière colonne, j'ai un tableau, enfin j'ai une colonne qui représente le chiffre d'affaires du trimestre, c'est-à-dire c'est l'addition des trois mois précédents. Et j'ai réalisé la même chose pour les quatre produits pour le chiffre d'affaires du mois de janvier par exemple. Alors, ce que je désire, moi, dans la colonne pourcentage du mois par rapport au chiffre d'affaires total, c'est la division entre 700 et le chiffre d'affaires trimestriel 1900. Donc, pour cela, j'entre une formule, donc égale, bien entendu. Je clique sur 700, la cellule B9, et je divise par le total du trimestre, c'est-à-dire la cellule E9, et je valide. Là, je me rends compte que mon mois de janvier représente 36,84% de mon chiffre d'affaires total du trimestre. Je vais refaire le même calcul sur février, mais je ne vais pas ressaisir la formule, je vais la recopier. Donc, je prends ma cellule de janvier et je vais utiliser le petit pavé qui permet de recopier vers la droite. Et là, je me rends compte que l'ordinateur m'indique que j'ai divisé par 0. Comment s'en rendre compte? Enfin, vérifier. Je reprends ma formule C9. C9, c'est bien les 650 € du mois de février. Par contre, il m'a utilisé la cellule F9. Alors, cette cellule F9 est vide. Donc, il m'a fait la division de 650 par 0. C'est bien ce qu'il m'indique ici. Et là, on voit l'exemple type d'une cellule relative. Je lui ai demandé de recopier d'une cellule vers la droite, donc ma cellule E9, il l'a recopiée d'une cellule vers la droite. Alors je supprime et je reprends ma formule de base. Donc la question à se poser, c'est quelle est la cellule entre B9 et E9 que je veux voir figurer dans chacun de mes calculs. Bien entendu, ça ne peut pas être B9 puisque après je veux 650, mais par contre je veux que ce soit toujours 1900, c'est-à-dire E9. Pour cela, je vais la rendre absolue, cette cellule E9, c'est-à-dire je vais la bloquer. Je vais aller, vous voyez ici, juste devant le E9 et je vais appuyer sur la touche F4. Voyons ce qui s'est passé, regardez, ici, je recommence, F4, voilà, je valide. Voyons ce qui s'est passé ici, vous avez vu que on entourait le E qui est la colonne et le 9 qui est la ligne par des dollars. Je ne pourrais aussi que bloquer soit le E, soit le 9, selon mes besoins de calcul. Bon. Maintenant, si je recopie cette cellule vers la droite, je me rends compte que là, vous avez vu, il a bien gardé le E9. Donc je peux maintenant la recopier sur la troisième et voire même sur la quatrième pour avoir mes 100%, ma vérification de calcul. Donc vous voyez, rendre une cellule référence, ça va permettre de recopier sur des tableaux très très grands des informations qui sont liées à une cellule de référence fixe. Voilà, donc j'en ai. Vous verrez qu'on a une autre méthode qui est de nommer une cellule, qu'on verra dans un prochain cours. Donc là j'en ai terminé avec ce petit cours sur la cellule de référence et je vous dis à bientôt. Au revoir.